La pièce est froide, obscure, comme une plongée au cœur des tranchées. Casque, obus, baïonnette, un condensé de guerre assemblé sur une pièce maîtresse, 2,35 m de long, chaque centimètre est un hommage aux 235 poilus sarladés morts au combat. Ici, on a les tranchées dans lesquelles j'ai mis les petites échelles pour monter à l'assaut. L'assaut a été donné par le sifflet du caporal. Ici, c'est un vrai sifflet de caporal, ça. Pour compléter le tableau, 14 petites œuvres à l'horizontale, 18 à la verticale. Décidément, Fernando Costa ne laisse rien au hasard. Pendant 2 mois et demi, il a accumulé, découpé, emboîté des objets de la Grande Guerre. Une besogne qui lui prend les tripes. Tout mon travail habituel, c'est de l'humour, c'est de la joie, c'est de la gaieté, c'est des couleurs, c'est vivant, quoi. Là, c'est fait avec du mort, quoi. Et c'est fait avec des objets qui ont appartenu à des mecs qui ont donné leur vie pour la France, quoi. Qui ont fait la guerre, quoi. Qui ont fait la pire des guerres, quoi. Costa le Joyeux tombe le masque. Derrière chaque tableau, des symboles comme ce triangle rouge. La petite pointe de rouge représente deux choses essentielles pour moi. Un, c'est la goutte de sang, le sang versé, tous ces morts. Et aussi le petit ruban rouge de la Légion d'honneur. À ma façon, hein, moi, j'ai voulu remettre une Légion d'honneur à tous ces poilus-là, qui la méritaient largement. Une exposition visuelle et sonore. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. Où les correspondances de poilus se mêlent à leurs effets personnels. Tu ne peux pas imaginer le paysage qui nous environne. Plus aucune végétation, ni même une ruine. Ceux de 14, un hommage aux poilus sarladés, à découvrir jusqu'au 11 novembre.